Yo tout le monde, c'est Donjon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu marqué dans le titre, on va parler de F1 Manager 23. J'ai eu la chance la semaine dernière de tester du coup une bêta du jeu qui sortira cet été, qui sortira le 31 juillet pour être précis, et je vais pouvoir vous présenter du coup un petit peu les nouveautés de ce jeu, vous parler un petit peu des changements, des améliorations qui ont été faites et vous montrer un petit peu de gameplay pour vous donner mon avis du coup sur cette séance que j'ai pu avoir la semaine dernière. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tiens à le préciser, même si ça va être marqué à l'écran, la version qu'on a testée il y a une semaine était encore une bêta. C'est normal si jamais vous voyez qu'il manque par exemple des petits visages ou alors qu'il y a des petits bugs de texture, c'est totalement normal. On n'avait pas la version la plus poussée de cette bêta de F1 Manager 23. Nous, l'objectif aujourd'hui, ça va être de parler du nouveau contenu. Donc ne vous attardez pas sur le moindre petit bug. Si vous en voyez un dans cette vidéo, c'est inutile et ce sera patché surtout dès la sortie de F1 Manager 23. En parlant de la sortie justement, F1 Manager 23 sort donc le 31 juillet si vous prenez l'édition de base à 54,99€, mais si vous prenez l'édition de luxe, car oui, il y aura une édition de luxe cette année qui est à 64,99€, vous aurez un early access, donc vous aurez le jeu plus tôt de 4 jours. Vous l'aurez le 27 juillet et vous aurez accès à 12 scénarios uniques que vous ne pourrez avoir qu'avec l'édition de luxe. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est justement que ces scénarios? On va en parler juste après. Donc l'édition de luxe du coup vous offre du contenu supplémentaire et un early access. Le jeu sera disponible donc sur PC avec Steam et Epic Games, sera disponible sur console avec la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series X et S si jamais vous vous le demandiez. On a pu rouler du coup pendant 1h30 et tester deux modes de jeu que je vais donc vous présenter. Le mode carrière qui est le mode classique qu'il y avait déjà l'année dernière et le mode race replay qui est une nouveauté cette saison et c'est la première chose que je vais vous expliquer. C'est ce que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure avec l'Aston Martin. Le mode race replay est une nouveauté sur F1 Manager qui va vous permettre en fait de réécrire l'histoire de la saison 2023. Vous allez pouvoir incarner un pilote ou une équipe durant un certain scénario ou une certaine course de la saison. Vous avez deux options, soit les starting grid qui seront tout simplement un remake de la grille des conditions météo et du coup de la course qu'on a eue en 2023 et ce sera juste à vous de surperformer et de faire mieux que ce que le pilote a pu faire ou que l'équipe a pu faire dans la vraie vie, ou alors vous allez avoir des race moments. C'est ce que vous voyez à Monaco. Les race moments sont des scénarios précis avec des incidents ou des changements de météo et c'est à vous de changer le cours de l'histoire justement de cette course en 2023. L'exemple que vous avez donc depuis tout à l'heure à l'écran, on est à Monaco et il se met à pleuvoir, tous les pilotes vont box pour des intermédiaires, vous le savez peut-être pas mais dans la vraie vie Aston Martin avait mis des pneus hard à Fernando Alonso quand il fallait mettre des pneus intermédiaires. L'objectif il est simple, c'est de ne pas mettre des hard, de mettre des inter et d'essayer de gagner la course face à Max Verstappen. On va pas se mentir, assez pitoyable, voilà, j'ai eu du mal parce qu'au début on est arrivé, on nous a lancé sur ce mode justement Race Moments et j'ai eu du mal, il fallait que je me repère etc, j'ai regardé s'il y avait des nouveautés, je regardais un petit peu de partout et j'ai totalement raté la pit window, j'ai box beaucoup trop tard avec Fernando et je crois qu'honnêtement j'ai même fait pire que ce que Alonso a pu faire dans la vraie vie. Donc il faut vraiment être vigilant, vraiment c'est des moments très précis où il va falloir prendre une décision très cruciale et très rapidement, mais pour le coup j'aime beaucoup ce mode de jeu. C'est donc ces 12 scénarios que vous pouvez avoir d'ailleurs avec l'édition de luxe. Si jamais vous prenez cette édition, vous aurez donc 12 scénarios, que ce soit des starting grid ou des race moments que vous pourrez du coup essayer de faire sur F1 Manager 23. Je sais pas si vous aimez du coup ce mode de jeu. Pour le coup, on est vraiment sur de la gestion, mais de la gestion un peu, on va dire, urgente entre guillemets. Vous devez réagir à un certain moment de la course, ou alors sur les starting grid, vous devez tout simplement refaire la course au complet. Et là, pour le coup, on est beaucoup plus sur de la gestion posée et de la stratégie et vraiment essayer de construire une course. Les race moments, j'avoue, c'est un peu dans l'urgence, c'est dans l'euphorie. Moi, j'aime bien, je vous le dis. J'ai bien kiffé, même si j'ai totalement raté ma stratégie. Je vais pas vous mentir, ensuite, moi, je me suis rabattu sur Stroll parce que Alonso s'était fait déposer. J'ai boxé un tour trop tard, donc Alonso était à genre à 15 secondes. Je me suis rabattu sur Stroll et j'ai essayé de faire gagner un petit peu des places à Lance Stroll qui, le pauvre, était en difficulté au fond de la grille. Une autre nouveauté qui sera présente cette année sur F1 Manager, c'est les courses sprint. Et oui, vous aurez du coup 6 courses sprint sur cette saison 2023, donc sur les 6 grands prix où on a des courses sprint dans la vraie vie. Je vais pas vous les énumérer parce que de tête, je les ai pas tous, mais de mémoire, on a
Bakou, on a l'Autriche, on a Spa, on a Qatar, on a, et voilà, il en manque encore deux et je les ai pas, mais vous aurez les courses sprint sur F1 Manager 23. Petit bémol avec les courses sprint, malheureusement, c'est le format de 2022 et non pas 2023, c'est-à-dire que c'est pas le shootout avec deux séances de qualification, mais c'est bien une séance de qualification qui détermine la grille de la course sprint, et ensuite le résultat de la course sprint, lui, détermine la grille de la course longue. Donc ça, un petit peu dommage malheureusement, mais bon, au moins on a déjà les courses sprint, ça pourra évoluer bien évidemment, peut-être aussi avec des patchs au fur et à mesure. Donc pour les deux nouveaux modes de jeu, voilà les deux nouveautés principales, j'ai envie de vous dire, sur ce F1 Manager 23, mais maintenant il y a beaucoup de développement aussi sur le mode de base qui est le mode carrière que vous connaissez de F1 Manager 22. Alors on va commencer par parler un petit peu du développement des pilotes, de votre staff, de votre pit crew, etc. et comment vous allez gérer tout votre staff dans votre équipe. On commence par les pilotes et vous le savez, donc forcément les pilotes ont une certaine note, vous allez faire le maximum pour avoir les meilleurs pilotes, mais une fois que vous aurez les meilleurs pilotes, l'objectif bien évidemment c'est d'augmenter leurs notes, de les rendre encore meilleurs. Alors forcément ça va passer par du roulage, ça va passer par des victoires, ça va passer aussi par du training, vous allez devoir entre guillemets les entraîner pour tout simplement qu'ils aient un meilleur rythme, une meilleure gestion de la voiture sous la pluie, une meilleure façon de gérer la voiture côte à côte avec une autre voiture, mais en plus de ça vous allez devoir aussi travailler un petit peu le temps de réaction, l'adaptabilité, le cornering, donc la façon de prendre les virages, bref vous allez vraiment devoir être un petit peu pointilleux sur la façon dont votre pilote va travailler sur lui-même pour pouvoir on va dire améliorer sa note au global. Une fois que vous aurez une note au global, sachez que cette note peut aussi descendre, elle ne va pas que monter, elle peut descendre avec l'âge, et oui, parce que forcément, si l'âge augmente, vous allez perdre en temps de réaction, vous allez perdre en, vitesse, en pace, entre guillemets, pardon, en rythme, voilà, je trouvais pas le mot. Donc forcément, il va falloir prendre des décisions quand votre pilote commence à arriver autour, je pense, des 30 ans, 33 ans, je sais pas exactement, regardez Alonso, c'est le contre-exemple, mais il faudra garder du coup un œil sur ses notes et sur ses capacités, tout simplement. Pareil pour les ingénieurs et les mécaniciens qui, avec l'âge, du coup, vont perdre un petit peu en notes, donc attention à ça. En parlant toujours de staff, on va parler un petit peu de l'équipe d'arrêt au stand. Si vous voulez éviter de devenir la nouvelle Scuderia Ferrari, il va falloir travailler du coup et bien manager tout simplement votre équipe d'arrêt au stand. Vous allez avoir maintenant des programmes d'entraînement sur tout le mois pour entraîner et améliorer votre équipe d'arrêt au stand. Perso, je vous le dis, je kiffe énormément l'idée. Vous allez en fait pouvoir choisir exactement ce que vous voulez travailler avec votre équipe d'arrêt au stand. Est-ce que ça va être lever la voiture plus rapidement? Est-ce que ça va être changer la roue plus rapidement? Est-ce que ça va être le wheel gun, le mec qui porte? Enfin, voilà, vous pouvez précisément choisir et vous pouvez en fait voir exactement ce que vous allez améliorer sur votre équipe d'arrêt au stand. Attention aussi à la fatigue, bien placer vos jours de repos parce qu'une équipe fatiguée, c'est une équipe moins performante. Donc vraiment, il y a un aspect de gestion en plus maintenant de l'équipe des stands que j'aime beaucoup. Attention aussi à ne pas trop en faire, ne pas trop focus qu'une seule discipline. Par exemple, je sais pas, changer les pneus trop vite, certes, ça va être bien. Mais du coup, si vous mettez du temps à lever la voiture, si la voiture elle tombe ou quoi, ça peut poser problème. Et il faut savoir que cette année, vous aurez des pit stop errors. Donc attention à ne pas rater vos pit stops, sinon ça risque de vous compliquer un petit peu les Grands Prix. Pour en finir sur les pilotes et les nouveautés, on a donc forcément les nouveaux pilotes de F2 et de F3 cette année avec la licence. Donc c'est-à-dire qu'on a leurs bonnes équipes, etc. On a des vrais pilotes que vous allez pouvoir recruter en troisième pilote ou faire passer ensuite en pilote titulaire. Donc là-dessus, pas de souci. Bien évidemment, vous pourrez suivre aussi en direct l'évolution du championnat de F2 et de F3 pour voir un petit peu comment se comportent les pilotes dans les catégories juniors et essayer justement de spotter et de mettre un recruteur sur les petites pépites qu'il y a en catégorie justement junior et essayer de voir lequel pourrait fit dans votre équipe si jamais vous avez besoin d'un nouveau pilote. On va parler maintenant du développement de la voiture. Alors vous le savez peut-être si vous avez joué à F1 Manager 22, le développement de la voiture sur F1 Manager est pas facile. Honnêtement, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'options, beaucoup de choses à régler, etc. Moi je sais que c'était l'une des grosses difficultés. Malheureusement, j'ai envie de vous dire pour vous, ça n'a pas changé. Alors, ça n'a pas régressé, mais ça n'a pas évolué non plus. C'est toujours plus ou moins le même système, même si vous avez des petites nouveautés. Par exemple, vous pouvez désormais mettre des pièces avec un certain poids qui vont en fait contribuer à sa résistance. Plus les pièces vont être solides, plus les pièces vont durer. Moins les pièces vont être solides, plus vite les pièces pourront casser ou alors vont s'user. Donc il va falloir faire attention et bien calculer aussi quand vous créez vos pièces la durée de vos pièces. À savoir que cette année, le cost cap va être ajouté. Quand vous allez développer votre voiture, vous aurez une limite budgétaire en fonction forcément de la position de votre écurie au classement. Donc ça va être un petit plus, une pression additionnelle. Il va falloir faire des pièces
vitesse, il va falloir de 1 qu'elle marche, de 2 il faudra surtout pas casser la voiture, parce qu'imaginez vous cassez un châssis, un fond plat, une boîte de vitesse, etc. Le prix que ça va vous coûter. Donc attention, la gestion des finances les gars, avec le cost cap cette année, ça va être très très intéressant. J'ai pas la réponse, mais je vois déjà venir la question, comment tu fais si tu n'as plus d'argent, ou alors si tu dépasses le cost cap, j'en ai aucune idée, et je pense que ça va être très très intéressant de voir quand tu te rapproches de la zone rouge, quand tu te rapproches justement de cette limite, comment ton équipe va gérer. Honnêtement, je pense que ça va être encore un beau petit casse-tête pour développer les voitures, que ce soit la voiture actuelle. En même temps, il faut développer la voiture de la saison suivante. Et en faisant ces deux voitures, il faut justement respecter le plafond budgétaire. Donc perso, j'ai hâte de tester et voir justement comment ce plafond budgétaire va être géré, va être réalisé. Mais voilà, vous allez avoir cette petite difficulté en plus, on va dire, sur F1 Manager 23. On a fait le tour un petit peu du coup de tout ce qui est en termes de gestion des nouveautés. Donc que ce soit des pilotes avec leurs notes et les sous-capacités. Vous avez maintenant la gestion du pit crew. Vous avez les notes qui peuvent descendre en fonction de l'âge du coup. Les pilotes de F2 et de F3 avec leur championnat en direct en même temps que la saison de Formule 1. On va passer maintenant à la gestion sur la piste. Qu'est-ce qui a changé un petit peu sur la piste? Vous allez voir que visuellement, vous allez reconnaître les overlays, mais il y a beaucoup plus de choses à gérer qui sont un petit peu cachées. Déjà, première chose qu'on va mettre en avant, car c'est de l'esthétique, mais mine de rien, c'est pas dégueu. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, de toute façon, elle passe, hein, mais c'est la caméra dans le casque. C'est quand même assez stylé, honnêtement, d'avoir une visor cam. Ça vous permet, bon alors, forcément, on voit pas énormément non plus, mais de temps en temps, sur un petit tour, tu te fais kiffer, tu passes en visor cam, histoire de voir comment le pilote se débrouille. Honnêtement, c'est pas dégueu et c'est plutôt bien réalisé. Donc franchement, un gros chapeau à l'équipe de Frontier là-dessus. On va commencer par la première grosse nouveauté en termes de gestion de pilotes avec ce nouveau F1 Manager 23, c'est la confiance du pilote. En fait, votre pilote va avoir une jauge de confiance pendant qu'il est au volant. Cette confiance, en fait, elle va se construire avec les essais libres et ses résultats en qualification. Vous allez avoir cette confiance pendant la course et au fur et à mesure du Grand Prix, en fonction du scénario, c'est-à-dire si vous faites des dépassements, si vous arrivez à garder votre position, si vous perdez des positions, et bien cette jauge va évoluer. Plus la confiance va être haute, plus votre pilote va être capable de faire des dépassements, de défendre sa position. Plus la confiance va être basse, donc plus vous êtes fait dépasser, si vous avez peut-être fait un tout droit, vous avez peut-être eu un accident, plus votre pilote va enchaîner les erreurs et plus il va falloir justement lui dire de se calmer et de ne pas attaquer jusqu'à que la confiance revienne. Alors dit comme ça, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais je vais vous fast-forward et vous mettre l'extrait tout de suite de Lewis Hamilton sur les derniers tours sur ma course à Silverstone. J'ai pris un risque en fait de faire une stratégie à un arrêt quand tout le monde s'est arrêté beaucoup plus tôt en voulant jouer avec une safety car. Hamilton qui n'avait peut-être pas confiance en la stratégie, sa jauge a énormément baissé. Il est parti à la faute dans les derniers tours, ce qui a forcément détruit son moral et sa confiance pour le dernier tour. Et ensuite, il a eu un accident dans le dernier tour parce que moi, je lui demandais dans ce dernier tour justement d'attaquer. Vu que c'était le dernier tour et qu'il était avec des pneus usés, je voulais qu'il push et qu'il défende sa position. Il n'était pas en confiance et du coup, il a enchaîné erreur sur erreur. Donc attention, ça va être un aspect très important. C'est à vous de ne pas pousser votre pilote à la faute. C'est à vous de ne pas trop lui en demander quand il se sent pas à l'aise justement. La meilleure façon de gagner un petit peu en confiance avec le pilote, c'est de, tout simplement de ne pas trop le faire attaquer, de lui faire gagner des positions. Plus il va gagner des positions, plus il va dépasser des voitures, plus la confiance va remonter. Donc en vrai, avec de bonnes séances d'essai, s'il a pas trop de problèmes, s'il a un bon setup et que vous lui en demandez pas trop, vous lui demandez pas d'attaquer toute la course, franchement, ça devrait aller. Mais c'est quelque chose qui m'a énormément surpris sur la fin de course à Silverstone. Je me suis dit, ok, là j'avoue, j'ai eu presque des regrets. J'étais en mode, je suis désolé frérot, je t'en ai trop demandé, c'était too much. Une fois que vous aurez commencé à gérer la confiance de votre pilote, vous allez pouvoir vous pencher maintenant sur les tactiques de pilotage. Je m'explique. Avant, on pouvait attaquer, défendre, etc. Pas de souci. Maintenant, chaque catégorie a, on va dire, son taux d'agressivité. C'est-à-dire que vous avez l'agression en termes de dépassement. Donc, est-ce que vous voulez un pilote très agressif sur les dépassements? Un pilote qui dépasse normalement ou peut-être un pilote qui n'ose pas trop dépasser? Est-ce que vous voulez un pilote qui défend de façon agressive? Est-ce que vous voulez un pilote qui ne défend pas énormément? Ou alors un pilote qui ne défend pas du tout? Ça va être à vous justement de choisir tout ça et de prendre les bonnes décisions pour votre pilote au bon moment, en fonction bien évidemment des pneus, en fonction bien évidemment de sa stratégie, de son ERS. Bref, vous l'avez compris, il va vraiment falloir dicter de A à Z la course du pilote et chaque décision, je vous le disais, si votre pilote n'a pas la confiance, n'allez pas vous amuser à lui dire overtake agression élevée, n'allez pas lui demander de tenter des dive bombs parce que sinon,
ça va mal finir. Donc vraiment attention à bien combiner la tactique de pilotage du coup avec la confiance du pilote. C'est deux, on va dire, paramètres de gestion qui vont ensemble et qu'il faut absolument prendre en compte pendant vos grands prix. De façon plus globale, il y a eu une refonte un petit peu aussi de la gestion des pneus et des températures, surtout des pneus. Maintenant, vous avez la carcasse et vous avez la surface du pneumatique. Donc pareil, au niveau de la gestion des pneus, que ce soit en qualif, à la sortie des stands ou peut-être en fin de relais, il va vraiment falloir faire attention à vos tempêtes pneumatiques et ne pas trop surchauffer, ou à l'inverse, ne pas avoir les pneus trop froids pendant la course. Ça va être un petit casse-tête aussi, forcément. Ça allait sur d'autres dieux de Formule 1 pour ne pas les citer. Là, ça va l'être aussi, je peux vous le dire. Ça risque de faire vriller certains d'entre vous parce que mine de rien, pour trouver la bonne fenêtre de température et sur la carcasse et sur la surface, c'est pas super facile et il faut quand même un très très bon setup. Si vous vous posez la question aussi au niveau de la maniabilité, est-ce que la façon de conduire des joueurs, des IA pardon, est toujours la même? Oui, c'est toujours cette façon un peu brusque, on va pas se mentir, sur F1 Manager. Le volant est pas tout le temps ultra linéaire, mais les IA ont été retravaillées, les trajectoires aussi ont été retravaillées pour que ce soit un petit peu plus smooth, que ça passe un petit peu plus crème entre guillemets dans les virages. Je sais que les accidents aussi ont été retravaillés, ça avait fait un petit peu de bruit l'année dernière, certains crashs qui étaient, on va dire, un peu étranges. Cette année, c'est beaucoup mieux, bien évidemment. Il y a toujours les dégâts, ça là-dessus, ça n'a pas évolué. Et honnêtement, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés, en tout cas, de ce F1 Manager 23. Si vous avez joué au 22, vous connaissez le jeu déjà de base. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de gros changement, il n'y a pas un changement drastique sur ce jeu. C'est juste une énorme évolution avec beaucoup plus de choses à gérer. Je vais pas vous mentir, une fois que vous gérez parfaitement F1 Manager, je pense que vous êtes assez bien casé pour pouvoir critiquer un pitwall. Je pense que si vous arrivez à gérer votre team correctement, etc., vous êtes assez bien placé pour critiquer Mattia Binotto ou Toto Wolff, parce que cette année, il va y avoir beaucoup de choses à gérer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu un petit peu à vos questions. J'espère que ce gameplay aussi vous aura plu. Moi, je vous le dis, je suis pas le plus fort en gestion. Si vous me suivez sur Twitch, vous le savez, malheureusement, je suis pas exceptionnel dans ce domaine-là. Merci encore à Frontier de m'avoir permis d'enregistrer ces petites vidéos, ces petits gameplays. Je rappelle que le jeu sort le 31 juillet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On essaiera d'y répondre, bien évidemment. Partagez cette vidéo à vos potes, peut-être, qui voudraient acheter un jeu de gestion en Formule 1 ou se prendre pour le prochain Christian Horner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.